Europe 1, 7h24. Matin. Philippe Vandel, pourquoi les motos Harley-Davidson font-elles autant de bruit? Vous avez vu ça et même entendu ça samedi matin pour l'hommage à Johnny Hallyday. Des bikers descendaient les champs en Harley-Davidson et ça faisait un boucan de tout. Bah oui, il y en avait 700. Oui, évidemment, mais même quand il n'y a qu'une seule Harley, on la sent venir à l'oreille avant même de la voir. Rien qu'un passage la nuit sous les fenêtres peut réveiller un bébé. Alors la question, alors que les normes anti-bruit sont de plus en plus contraignantes pour les voitures, pour les motos, y aurait-il une exception pour les Harley-Davidson? Alors à la base, le niveau sonore de chaque moto est encadré par la loi. Sur la carte grise figure la limite de décibels du modèle au ralenti. Mmh. Mon scooter, par exemple, c'est 89. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, la loi n'est pas la même pour tous, mais varie suivant les modèles. Pour les Harley-Davidson, la limite est de 95 à 100 décibels avec une tolérance de 5. Et oui, c'est logarithmique, donc plus 3, c'est en double son. Ouais. Chez le concessionnaire, elles ont un son presque feutré, sauf que les clients sont déçus, c'est pas le son Harley. Alors d'où vient ce bruit? Eh bien, j'y viens. Une fois la moto achetée, les pots d'échappement sont souvent remplacés ou modifiés. Chez Harley, ils vous vendent des silencieux comme accessoires homologués et légaux. Sauf que les clients préfèrent des solutions plus radicales, faciles à mettre en œuvre tout seul. Il y a même des kits complets comme le fameux Stage 1, un filtre à air plus généreux, nouvelle cartographie électronique, échappement king size, on trouve tout ça facilement sur internet. On peut aussi facilement retirer la chicane du pot qui est un silencieux rajouté pour l'homologation et là, ça pétarade, d'où le bruit. Reste que c'est illégal, l'amende c'est 135 €, mais c'est pas souvent contrôlé par la police et ça risque de ne pas durer car Harley annonce une moto électrique pour 2020. Non. Si. Ah non, une Harley électrique, c'est plus une Harley. Ah ben voilà, c'est le débat des fans. Est-ce que c'est une Harley ou pas? Ben non. 9h30. Vous avez raison. L'invité de Village Média sera la productrice Alexia Laroche-Joubert qui relance les Minicum. Elle produit désormais Koh-Lanta. La finale sera lieu vendredi. 3 filles et un seul garçon, le Benjamin, je résume, des Superwoman et des petits mecs. A tout à l'heure, Village Média, Philippe Vandel, évidemment. Europe 1.